Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie, dans notre église universelle et dans notre unité pastorale, de célébrer l'accueil de Marie qui sera confirmée dans les jours à venir. C'est une joie pour l'Église, c'est une joie pour tout un chacun de nous, parce que le Christ mort victorieux est présent parmi nous et suscite les gens, les hommes et les femmes qui peuvent se donner pour l'amour de l'Évangile. Et j'invite Marie à venir se présenter et dire ce qu'elle souhaite pour son Église et pour elle. Donc, je suis Marie. Mon chemin de vie a fait que j'ai pu m'éloigner de ma foi. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je ressens le besoin de confirmer cette foi. Et donc voilà, je suis en cheminement. Et dans les prochains mois, je devrais être confirmée. Comme elle vient de me dire, elle est en cheminement. Et nous aussi, comme Église, nous la soutenons dans cette démarche qu'elle a commencée dans le jour où elle avait eu son baptême. Et c'est Jésus qui nous appelle, qui nous inspire et qui nous donne la force de continuer et de l'approcher de plus en plus dans notre vie et dans notre cheminement. Thank you.
choses comme baptiser hommes et femmes avant de reçu l'Esprit de Dieu, nous allons prier pour ma fille. En silence, je vous invite à lever votre main. Et en même temps, j'invite Marcel à lui remettre la croix. Dieu notre Père, nous recommandons ta servante Marie. Il veut cheminer avec toi tout au long de sa vie. Guide-la dans ton cheminement chrétien, qu'elle puisse trouver la joie de te suivre, de t'aimer et de rester fidèle à toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites.
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation, une pustule, qu'il soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres de ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendais grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes. Pour qu'il soit sauvé. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Cet homme s'est mis à proclamer et à reprendre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. Des paroles cependant ont venu à lui.
guérison, la guérison d'un lépreux. Pas seulement cette guérison, mais aussi voir comment est-ce que ce Dieu qui est venu auprès de nous pour bannir et briser toutes les barrières qui existaient et toutes les barrières qui ne permettaient pas de rejoindre l'homme souffrant de cette maladie, de rejoindre l'homme dans sa souffrance. La première lecture de l'Évangile parle de la lèpre. Mais pour bien comprendre l'Évangile, je crois qu'il serait mieux et intéressant de comprendre les contextes dans lesquels était écrit ce livre dont nous dirons la première lecture de ce sixième dimanche de la liturgie du B. Il faut comprendre que les lépreux, à l'époque de Jésus, un peu plus avant, ce sont les gens qui étaient exclus de la société, des personnes qui devraient s'habiller conséquemment pour être reconnues et qui devaient même crier un peu pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Et cette maladie à l'époque était contagieuse et incurable. Personne ne pouvait guérir cette maladie. Et toute personne qui était atteinte de la lèpre, c'était considéré comme une personne pécheresse, une personne qui a commis des péchés, et une personne qui a coupé le lien avec Dieu. Et la lèpre, telle que nous la concevons aujourd'hui, telle que la Bible la présente, c'est tout état qui nous coupe de Dieu et de la société. Toute situation qui nous éloigne de la présence de Dieu et de la présence des humains qui sont nos frères. Et à chaque fois que nous nous éloignons de Dieu et de nos frères et sœurs, sachons bien que nous sommes atteints de cette maladie. Voilà pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui vient nous rétablir, nous restaurer et nous redonner encore l'espérance et la foi, parce que nous appartenons à lui, parce qu'il est celui qui n'a pas peur de venir nous toucher, de venir nous rejoindre dans nos malheurs pour nous réintégrer dans la société, dans la famille des enfants de Dieu. Nous pouvons poser des questions sur la lèpre en disant que cet évangile ne parle pas de prix. Bien que la lèpre est combattue, il y a pas assez de gens qui souffrent de cette maladie. Mais il y a des lépreux autour de nous et qui sont les lépreux du 21e siècle. Les lépreux du 21e siècle sont des personnes sans abri. Toutes les personnes qui se mettent au devant de nos églises pour demander des piécettes. Toutes les personnes qui souffrent d'une maladie, entre autres, c'est presque le corona, parce que ceci m'a rappelé un jour où j'étais appelé dans le hall Notre-Dame de Manon. On m'a appelé pour administrer à un malade le sacrement d'onction de malade. Et arrivé là-bas, on m'a dit que cette personne était atteinte du Covid et que je devais faire attention. Je ne devais toucher à rien, même pas la toucher. Et je me suis dit, c'est un sacrement où Dieu va toucher la personne. Comment pouvons-nous administrer à quelqu'un un sacrement d'onction de malade sans toucher cette personne? Et ils m'ont dit, il ne faut pas traîner là-bas, ne touche à rien. Et ils m'ont donné un équipement tel qu'il fallait pour me protéger. Et je suis entré, j'ai vu la malade, elle était toute seule dans sa solitude. Et elle s'est lamentée certainement en elle-même, et certainement elle s'est disait qu'elle était abandonnée, pas seulement de Dieu, même des personnes, des gens, des hommes et des femmes avec qui elle a partagé des moments de joie. C'est vrai, tout le monde ne devait pas être là, mais du moins c'est pour essayer de nous faire comprendre la portée et surtout ce qu'était la lèpre à l'époque de Jésus. C'était une maladie incurable, une maladie qui éloignait l'homme de la société, qui les coupait même de Dieu, parce que la personne ne pouvait même pas participer à les assemblées religieuses.
enlever ces cartes. Et il faut dire que la mère, de nouveau, pas seulement de la société, même pas des dieux, elle nous coupe même de nous-mêmes. Parce qu'en perdant le membre de notre corps, on n'est pas soi-même. On est coupé de quelque part, de quelques membres de soi. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est celui qui vient nous rappeler que bien quand de même que nous sommes atteints par la lèpre, par différents péchés, différentes maladies, nous ne devons pas hésiter d'aller à sa rencontre pour lui demander de nous purifier. Les lépreux avaient ce courage d'aller vers Jésus-Christ, quand même ils savaient que cette maladie était incurable, mais ils savaient que c'est Dieu-là qui vient est capable de nous purifier. Il est capable de changer ma vie. Il est capable d'entrer dans ma vie et de me réintégrer et de me redonner encore le sourire que j'avais auparavant. Et nous aussi, nous pouvons avoir différentes maladies, différentes faiblesses qui nous éloignent de la présence de Dieu, qui nous éloignent de Dieu, même de nos frères et sœurs, peut-être notre caractère qui ne plaît pas aux autres. Et nous disons, nous avons toujours été ainsi. Et là, nous souffrons nous-mêmes et nous souffrons à l'égard de la communauté. Mais c'est Dieu, c'est un Dieu qui vient nous aider à quitter de nos maux et à quitter de tout ce qui nous empêche d'être en relation avec lui et en relation avec nos frères et sœurs. Et la lèpre aujourd'hui, elle s'est fait de différentes manières. Et à chaque fois que nous sommes racistes, que nous sommes indifférents à la souffrance des autres, sachant bien que nous possédons cette maladie. Et aujourd'hui, Jésus, il est celui qui veut bien nous porter par sa main pour nous guider et nous conduire, pour que nous puissions aussi intégrer la communauté des enfants de Dieu et vivre dans sa volonté et vivre dans cette joie qui ne finira jamais. Et dans la deuxième lecture, le Christ nous invite à vivre comme si nous n'avions rien. Et à faire en sorte que nous ne soyons pas les objets, les chutes des autres. Mais bien des fois, nous le sommes parce que nous avons des préjugés sur la personne que nous rencontrons. Parce que nous sommes là pour les juger. Parce que nous sommes là pour leur dire qu'ils ne méritent pas d'appartenir ou de prier avec nous. Parce que nous sommes là pour les décourager dans les efforts qu'ils fournissent au quotidien. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à être des personnes tendres. Des personnes qui savent compatir à la souffrance des autres. Lui l'a brisé, l'a pris, l'a bravé, l'a mort pour aller toucher les pieds, chose qui était interdite. Et il l'a fait pour essayer de donner une leçon à toute l'humanité que nous ne sommes pas là pour diviser. Par contre, nous sommes là pour essayer d'aider le plus grand nombre des hommes et des femmes à rencontrer Jésus, à rencontrer Dieu dans leur vie et à retrouver la joie de vivre au plus grand nombre. Que Dieu nous donne la grâce de l'aimer, la grâce de servir, mais surtout la grâce de venir auprès de lui pour lui dire de nous toucher, de nous purifier, parce que nous reconnaissons pécheurs, parce que nous reconnaissons pécheurs.
a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, et troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener une vie calme et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, donne à ton Église le souffle dont elle a besoin pour envoyer ton message d'amour et d'espérance. Qu'elle manifeste son soutien aux frères exclus, malades ou en situation d'échec conjugal ou familial. Nous t'en prions. Est celle de l'amour. Pour que les puissants d'aujourd'hui tissent de nouveaux liens de dialogue et qu'ils légifèrent positivement sur les questions de fin de vie. Qu'ils protègent la dignité humaine de toutes les personnes malades et handicapées. Nous t'en prions. Isole les malades et leurs familles. Seigneur, accompagne la détresse et la solitude des exclus et soutiens l'action des familles, des proches, des soignants, des bénévoles. Que tout soit le signe de ton amour. Nous t'en prions. C'est être mal aimé. En ce jour de la Saint-Valentin, nous te prions pour les couples qui peinent à s'aimer ou à s'entendre, pour ceux qui subissent la trahison et les entraves, aide-les à surmonter les épreuves, qu'ils trouvent sur leur chemin des témoins d'un amour fidèle. Et pour nous tous ici rassemblés, que l'Esprit Saint nous guide et nous éclaire sur son chemin de foi. Seigneur, nous te prions. La collecte de ce jour est faite pour notre Église et les œuvres paroissiales.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avons rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des gens Vanderbush que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur ce malade pour qui nous célébrons cette Eucharistie, et sur nous-mêmes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yes. Dans la charité du Christ, faisons-nous un petit signe de paix. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il y a au fond de l'église des petits feuillets comme ceci avec l'horaire de la semaine sainte. Donc vous pouvez en reprendre quelqu'un que vous connaissez, malade ou pas. Il y en a là au fond et il y en a ici. Maintenant, comme il fait très mauvais devant, je propose aux personnes qui sont garées ici derrière de sortir par la sacristie. Comme ça, elles ne vont pas traverser le verglas. Et en même temps, vous pouvez prendre un petit feuillet ici. Celles qui sortent devant prennent devant et celles qui sortiront derrière prendront aussi. Voilà. Alors, le dimanche 28, nous accueillerons ici la petite Manon. Elle sera baptisée le 28 mars. Aujourd'hui, nous avons accueilli Marie dans son chemin vers la confirmation. Toutes nos félicitations à elle pour sa démarche. Et je propose qu'on l'applaudisse encore, ça va nous réchauffer un peu. Bonne Saint-Valentin à tous. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci à Patrick. Et la prochaine messe ici, donc c'est dans 15 jours. Et n'oubliez pas de réserver. Je suppose que c'est toujours les mêmes, mais bien sûr. Bon dimanche. Bien laissé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la vie de Christ.